patte, hein, les 100 000 messieurs dames, alors que l'ambiance est à son maximum. Ici, vous avez devant vous le gagnant de questions pour un streamer édition 2022. C'est pas du tout propre, c'est dégueulasse. GG, merci beaucoup. Waouh, c'était assez fou, hein. C'était assez fou, ouais. Ouais. On est trop content. En vrai, avec Antoine, on est trop content. On est refait. En plus, là, vous êtes quasiment à 110 000 sur la cagnotte. Bon, là, vous me régalez. Oh là 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 là, quel plaisir. C'est quoi ce focus nul? Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Boum. Boum, bim, boum, bam, bim, boum, boum, boum. Ah non, ça, c'est le stop, pardon. Hop, c'est bon. Ah, voilà. GG, vous êtes... Ah ouais, on est trop content. Annie Ultia, putain, c'est l'anniversaire d'Ultia. Il est minuit. J'avais pas vu. Aïe aïe aïe, je suis allé souhaiter l'anniversaire d'Ultia, bien sûr, c'est l'anniversaire d'Ultia justement. Waouh, ouais, GG, c'était ouf, merci beaucoup. Bon, on a gagné. On a gagné face à Xari et PA qui revenaient pour le back-to-back. Enfin, non, pour plutôt la revanche. On a back-to-back, merci beaucoup. Infini Hibou pour les 100 euros, merci beaucoup. Vous êtes trop chaud. Franchement, je sais pas si on a été chaud, je sais pas trop, j'ai pas trop. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop ce qui se passait. J'étais à fond. On était à fond avec Antoine. Je sais pas trop ce qui se passait, pour être honnête. Je sais pas trop. Franchement, j'ai pas trop suivi. C'était ouf. Ah ouais? Vous êtes trop fort. T'as regardé un don de 1051 euros, sérieux? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, quoi? J'ai raté un don de 1051 euros. Mais qui a fait ça? Bravo, Pompon et Antoine. Vous êtes trop fort. C'est trop mignon. Qui a fait ça? Oui, de White Pixel. Waouh, White Pixel, en plus, c'est un maître des fleurs. C'est quelqu'un qui gagne souvent, c'est quelqu'un de très cultivé. Qui est GG, 110 000 balles. Attends, mais c'était où? Attends, CTRL F, 1051. Il est là, White Pixel, il y a une heure à donner 1051 euros. Je sais pas si tu es dans le chat, White Pixel, mais si tu es pas, je vais te voir t'envoyer un DM pour te remercier. Parce que vraiment, là, c'est... Ah ouais. Ah oui, par contre, c'est n'importe quoi. Merci, White Pixel. Merci beaucoup, White Pixel. Ah ouais, 1051 euros. Ah, mais c'est lui qui a fait pop de fou là. Ah, mais attendez, il n'y a pas la cam. Attendez, il n'y a pas la cam là. Oh, wow. Excusez-moi. C'est lui en fait qui a fait exploser la cagnotte. C'est pour ça. Faut que t'ailles prendre le mégaphone de Zera pour fêter l'anniv d'Ultia. Ouais, mais là, il est en train de parler à quelqu'un. Je sais pas si je peux le prendre. Il a devant lui le mégaphone. Ça, je vais aller le faire au bout d'un moment. Vous en faites pas. Aïe aïe aïe, bravo, toute l'émission était trop cool. Ah bah, moi j'ai fait que participer à l'émission évidemment de mon Rayou, hein. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Moi j'ai juste participé en vrai, c'est tout. Il a déjà fait Zera. Ah bah voilà, il a déjà fait, bon bah voilà, parfait. Il a déjà fait, ah bah c'est bon alors. Demande à Monsieur Chabat de faire une fleur. Ouais, je vais le faire. Alors, on va pas l'embêter trop, hein. C'est à dire que on va pas arriver et lui dire fleur. Déjà, regardez, j'ai un truc à vous montrer, messieurs dames. En vrai, t'as trouvé plein de réponses. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai trouvé plein de réponses. Mais messieurs, dames, regardez juste. Regardez ça. Excusez-moi. Vous avez ici purement et simplement le selfie qui me rend le plus heureux au monde. Alain Chabat et moi-même. Voilà. 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 Je suis... C'est un truc de fou, en vrai. N'a pas un flow de fou? N'a pas un flow de fou? Je suis trop content. Ponce le rat star. Mais non, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que je n'ai jamais, vraiment, je vous jure que c'est vrai, je n'ai jamais été fan de quelqu'un. Genre, je suis quelqu'un qui a jamais réussi à accrocher au fait d'être fan de quelqu'un. Vraiment, je vous jure,
même musicalement, et pourtant j'ai écouté beaucoup de sons, j'étais jamais fan des gens, mais j'étais fan des sons, tu vois. Mais les gens, je m'en foutais en vrai, je les croisais dans la rue limite, je leur disais que j'adorais leurs sons et point barre, tu vois. Mais Alain Chabat, ça a été la seule personne que j'ai vraiment. Et depuis longtemps, moi, je regardais. Moi, j'avais Les Nuls, l'Intégrule, et Les Nuls, l'Intégrule 2. Je regardais ça, j'avais, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Enfin, vraiment, c'est très, 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 très vieux de mon côté. Hein. C'est très, très vieux de mon côté. Et bah, du coup, je remporte ça. Vainqueur 2022. Alors, il y a plein de traces de doigts parce que c'est difficile en vrai, mais regardez, vainqueur 2022 avec Alain Chabat qui présente. Ça pouvait pas mieux se passer. Vraiment, ça pouvait pas mieux se passer. Je suis refait. C'est un truc de fou, vraiment c'est incroyable. Ça go dans le décor, ah ouais ça go dans le décor. Et puis merci pour les 200 €. Bacchetto Veranda qui donne 200 €. Je vais vous montrer les dons ici. Il y a Brocandlib qui donne 2 €, Siferilo 50 €, Romy 10 €, GG 1 €, merci beaucoup. Mim donne 20 €, Alban 20 €, Team Gdoc 4 €, GG back to back, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les donations, tous les GG. On va atteindre les 110 000 € sur la cagnotte. C'est énorme, merci beaucoup. Je vous rappelle que l'an dernier, quand j'avais arrêté mon deuxième jour de live, donc le samedi, je crois qu'on était à quelque chose comme 91 000, un truc comme ça. White Pixel. 1051 €. Je sais pas quoi penser. Merci White Pixel, tu as donné 2102 €. Mec, t'as donné 2102 €, White Pixel. Je te remercie vraiment du fond du cœur parce que j'ai vu ta donation tout à l'heure. J'ai raté pendant l'émission, mais là, on me l'a dit. Je suis allé la voir, White Pixel. Merci infiniment pour les 2102 € donnés pour les assos. Merci beaucoup. Merci White Pixel, merci à toi et merci pour le soutien. Je sais que tu suis beaucoup la chaîne et tu donnes beaucoup de force, donc merci. Merci White Pixel, c'est vraiment énorme. C'est des types des impôts, ne l'oublie pas s'il te plaît. Badri qui donne aussi 20 €, Marie 20 €, Babou 10 €, Vive les fleurs de Nantes 1 €, Dieu Lapin 10 €, Earthmoon 5 €. Merci beaucoup, on a atteint les 110 000 € maintenant très largement effectivement. Mais je pense qu'on peut encore pousser pour moi vers les 125 000 ce soir. Je pense que je peux aller me coucher avec 125 000 dans la cagnotte. Je pense vraiment. Vraiment. Le burger de Poca, il a été embarqué par qui? Je sais pas qui l'a embarqué, mais on l'a un peu goûté. Après, il était quand même un peu gros, tu vois. Il était quand même un peu huge, ce burger. On va pas se mentir. Je sais pas vers quelle heure je vais me coucher. J'ai pas trop prévu. J'aimerais bien jouer un peu à Splatoon. Mais le truc, c'est que si je joue à Splatoon, l'objectif des 125 000 va être difficilement atteignable, tu vois. Merci, Maïvi, jalouse du selfie avec Chabat. Vers Fanzio, 10 €31. Team Gdoc, 1 €. Oswiwix, 10 €. Manioé, 5 €. Origami, 5 €. J'avais dit pas plus de 20 € de dons. Je suis pas raisonnable, mais c'est pour la bonne cause. Merci pour tout ce que tu donnes comme énergie. Origami, merci beaucoup, c'est très gentil. Évidemment, donnez à hauteur de vos moyens. Si vous pouvez donner que 1 €, en vrai, donner 1 €, c'est déjà énorme. C'est le plus important, déjà, rien que de donner ne serait-ce qu'un euro. Extase, merci aussi pour les 5 € Netarex, 1 € Nuts, 1 € Elliot, 5 €, merci beaucoup. Merci à vous. Ah là là, il reste encore demain. Bien sûr qu'il reste encore demain, bien sûr. D'ailleurs, souvent le dimanche, c'est une journée bien, 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 bien vénère. Moi, demain, j'ai beaucoup de trucs de prévu. J'ai le tournoi Sims organisé par Ultia qui commence à 12h30. Ensuite, j'ai une toute petite partie de mot de passe sur la chaîne de Xari, mais ça va durer genre une petite demi-heure. Ensuite, j'ai le tournoi Mario Kart au volant parce qu'on l'a atteint au niveau des donation goals. Vous le voyez tout en haut à 30K. Ensuite j'enchaîne sur un combat de catch contre Rivenzi avec deux catcheurs et c'est pas une vanne. Et ensuite je serai déjà un peu plus posé pour continuer les rushs etc. Donc demain je compte sur vous aussi pour donner bien sûr avec tout ce qui est prévu. Il y a beaucoup de trucs de prévu demain. Amé le fan de Ponce, fan de Chabat, merci pour les 2 €. Vive les fleurs de Montpellier 1 €. Clogain qui redonne encore 40 €. Tifoc 1 €. Poufaible aussi qui donne 1 €. Elliot 5 €. Merci encore une fois la team Gdoc 1 €. Merci. Ça va être fou le catch. Ah vous allez halluciner hein. Ah, vous allez halluciner. J'ai cru que j'avais mal lu le tweet de Riv. Ah, le tweet de Riv, il est réel, messieurs, dames. Le tweet de Riv, il est là, il est réel. C'est un combat de catch, messieurs, dames, que vous allez voir demain. C'est un combat de catch. Je serai avec Aigle Blanc, qui sera mon mate. Et on sera contre Rivenzi, qui sera avec Kuro, son mate à lui. Qui est, les deux sont des catcheurs professionnels français. Voilà, et c'est un vrai combat de catch qu'on va faire. C'est pas genre une vanne où on va faire n'importe quoi. C'est un vrai, vrai, vrai combat de catch. Vrai, vrai combat de catch. Je me permets de faire un petit post sur Insta, si ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas un petit post sur Insta, en vrai. Petit post, tu sais. Petit post sur Insta. Tranquille. Régale-toi. Tranquille. Mais vraiment, trois fois rien. Hein. Trois fois rien, c'est un petit post, c'est rien du tout, hein, bien sûr. C'est trois fois rien. C'est un petit post. Fais comme chez toi, merci beaucoup. Trois fois rien, vous allez voir. Bon, c'est vraiment trois fois rien. C'est vraiment...
Je mets quoi en légende? En vrai, je mets quoi en légende de cette photo qui est elle-même une légende, sérieux? Je mets quoi en légende? Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais même pas quoi mettre, sérieux. Genre. Voilà. Voilà. Genre. Voilà. Légendaire, une vie. Je sais pas, hein. Est-ce qu'il va signer le tableau? Alors, je vais essayer de le faire signer le tableau, mais j'ai pas envie de forcer et tout, parce que là, après, il va être sur la chaîne de Rayou, il va discuter avec Rayou et tout. J'ai pas trop envie non plus de trop forcer, mais je vais essayer si je peux, tu vois. Fin du game. Légende hashtag Radstar. C'est vrai que c'est un Radstar. Hein. La légende est sur la photo en mode FB 2012. Ouais, mais c'est vraiment très FB 2012. Hein. Ah, vas-y. Bon, proposez si je vois des propals, je vais voir. MC qui donne 5 euros, merci beaucoup. Atal7, 1 euro, 4 euros de Laura via Mirobolt, 50 euros. Pompon, t'es un crack, merci, 1 euro. Crème, merci pour les 10 euros. Grégoire, 5 euros en tant que top 2 du Maître des Fleurs, jamais gagné malheureusement. En tant que fan d'un streamer exceptionnel, beau gosse, gagnant du question pour un streamer, voici une partie de mes dons de sosie event. Continue, je pense pas me tromper en disant qu'on t'aime. Des bisous, Pompon, t'es adorable, Grégoire, merci beaucoup. Crown Aliena qui donne 5 euros. Bérénice, 5 euros. Un enfant mort en décomposition dans une poubelle en feu. Mes fans de Ponce donnent 1 euro, j'en peux plus. Un futur KUV, je dirais Chauve qui donne 5 euros. Team 1 euro. Les unités d'élite de EMS de Los Plantos, merci pour l'euro. Le J et le L, 20 euros. Tojac, 20 euros. Simon Shield, 7 euros. Nous sommes trop jeunes pour nous inquiéter tout le temps, juste une fois au lieu de t'inquiéter, lâche-toi si tu continues à économiser par peur, ça n'aura pas de valeur. Gogo BTS aura mis d'un euro. Fly for Arcati, merci aussi. Merci beaucoup pour les 20 euros. Évidemment, on a trouvé PL parfait. Kerjo, 1 euro. Lumiki, 20 euros. Waylander, 5 euros. L'unique moustique, 1 euro. Sirion, on va trouver un Sirion, 2 euros. Merci beaucoup de donner autant là. Je vois que vous vous réveillez. Ibri qui donne 10 euros. Calico, 20 euros. Une fleur de Marseille, 1 euro. Little Phoenix qui donne 8 euros. J'ai la victoire. Merci, 5 euros. J'aurais donné plus si on avait été le mois prochain. Et je sais. Je sais que c'est compliqué de faire un The Event aussitôt dans l'année, dans la saison aussi, plutôt autour de la rentrée. Je sais que c'est dur, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que ça allait être compliqué, on s'est dit que les gens allaient galérer à donner. Au final, même si beaucoup de gens effectivement galèrent à donner, je trouve que vous êtes quand même vraiment très fort et vous êtes d'un engagement assez fou. C'est-à-dire qu'on est au-dessus hein, des cagnottes de l'an dernier en termes de... Enfin, ça, en fait, on n'a jamais fait ça et c'est une dinguerie, je pensais pas. Je pensais pas avec tout ce qui se passe en ce moment, vraiment je pensais pas. Donc merci beaucoup. Diana, merci pour l'euro. Queen pour les 20 euros. Anonymous, 1 euro. Margost, 5 euros. Mathilde, 5 euros. Demain, des lobes. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Merci beaucoup pour les 1 euro. Merci beaucoup. Kurosek qui donne 1 euro aussi, merci à toi. Reviens à Montréal, donne 10 euros. Je suis jamais allé à Montréal de ma vie. Namekel donne 3 euros. Pouf faible. Qu'est-ce qu'il y a, Ultia? Joyeux anniversaire! Joyeux à... Il y a Zera qui a crié. Super Trump donne 10 euros. Adèle Poki aussi 1 euro. Je sors de Everything Everywhere or at once. Je sais pas ce que c'est. Direct, ça donne bravo pour. J'ai pas compris, mais merci. Et merci pour le bravo. 100 balles de Chandras et Nifix aussi. Let's go, love, pétale et pas de What the Cut 38. Aïe aïe aïe, je pense que j'ai détruit des espoirs, non? Pendant l'émission. Oh, c'est quoi ça? C'est 100 balles de Greg. Attends, est-ce que je peux mettre genre une légende, un monstre ou les deux? Je peux mettre ça, non? Une légende, un monstre ou les deux? Ça marche en vrai. En vrai. Shabba, Ponce ou les deux? Ponce, Shabba ou les deux? Ah, c'est vrai. Quand je suis content, je vomis. Là, je suis hyper content. Ouais, mais on va pas encore faire une rêve, tu vois. Ah, j'avoue. Shabba, Ponce ou les deux? En vrai, j'aime bien. Vous en pensez quoi? Shabba, Ponce ou les deux, en vrai? Je sais pas. Ah ouais, c'est pas mal en vrai. Shabba, Ponce ou les deux? J'avoue. Alain Chabat
Ponce ou les deux? Je poste ça. Alain Chabat, Ponce ou les deux? C'est vraiment, c'est aussi simple que ça. Alain Chabat, Ponce ou les deux? Ouais, on va jamais mettre ça. C'est Gauthier. Je suis vraiment un fanboy, ça me fume. Vous m'avez jamais vu comme ça, je pense. Et vous me verrez jamais comme ça, d'ailleurs, puisque c'est vraiment la seule personne au monde. Donc c'est très drôle. C'est vraiment drôle. Vraiment la seule personne au monde. Hein. Sinon, le reste... voilà. Tag-le. Non. Tranquille. C'est posté, en fait. C'est juste posté, là. C'est juste posté à l'instant même. Aïe. Rat de Alain Chabat. Ah, littéralement, mais vraiment que lui. Hein. C'est incroyable. Ponce, tu me rappelles moi au Frames Festival avec toi l'année dernière. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. Hein. T'inquiète. Hein. Mon don est passé aux oubliettes. Attends. Oui. En vrai. Mais alors, c'est possible. Mais parce qu'il y en a... Ah si, t'es là. Un énième don de la journée. Je lutte contre le sommeil, mais un The Event, c'est une fois par an. Merci pour toi amicalement. Ah, tu vois. Tu vois, Ido, je l'ai vu. Il est là. Tu vois. Fleur d'Avignon, boulot de Rome, 1 euro. Jikev, 10 euros. Boubit, 10 euros. Si Origami, 51 euros. Justice pour Cotovol, 1 euro. Justine, 10 euros. Zeripno, 100 balles pour la planète Alain Chabat. Ponce ou les deux? Qui est une légende? Rep les deux. Merci. Pas sûr. Titio aussi, 1 euro. Tu ne m'as pas lu, donc je me répète, ça fait un don de plus. Ce que tu ressens après ta photo avec Alain, je l'ai ressenti avec toi à l'échappée 2022. Merci d'exister, Pompon. Bah écoutez, c'est très gentil. Mais vraiment, Alain Chabat, c'est Alain Chabat, quoi. C'est vraiment... On parle de... Ouais, on parle de Alain Chabat, je sais pas comment vous dire. On parle de Alain Chabat. Comment on fait les dons? Alors si vous voulez faire des dons, messieurs, dames, c'est tout en bas du live, vous avez le bouton don, ou sinon on vous donne les liens directement dans le chat, le lien vers les dons, on vous le met souvent dans le chat, et vous pouvez envoyer, on est déjà à 111 951, ah déjà 112 000 quasiment en fait. Ah oui. Attends, on est déjà à 112 000. Aikomia qui donne 10 euros, Speedrock qui donne 5 euros, Firelon qui donne 10 euros, Anonyme 1 euro, Gwendo 5 euros, Le Capitalisme 50 balles, j'abandonne. Une vanne copyrighté signée Nashul, si seulement. Flo Styles qui donne 50 euros aussi pour la victoire, aux questions pour un streamer 2 ans de suite, tout à fait, pour le match de catch de demain, merci beaucoup. Serialstats.stats, à l'instant T, tu es 20 000 euros dessus de la cagnotte de l'an dernier, en fin de jour 2. À l'instant T, je suis 20 000 euros dessus de la cagnotte de l'an dernier. En fin de jour 2. Mais le fin de jour 2 l'an dernier, c'était vers quelle heure? C'était plus tard que ça. Mais donc en fait, on a déjà explosé la cagnotte de l'an dernier, si on... en tout cas à l'instant, tu vois. Enfin, je sais pas, je m'exprime vraiment pas très bien là. Alors, il serait chaud, tu penses? Ouais. Ah oui, non mais carrément. Bah ouais, c'est chaud. Ah non mais bien sûr, mais c'est toi qui as la priorité. Mec. Ah oui, non mais c'est pas... En fait, en gros, moi j'aimerais bien qu'il fasse la fleur Alain Chabat sur le panneau qu'on va vendre. Parce que je vous rappelle une chose, c'est qu'on a ça à vendre. On a ça à vendre aux enchères des... Hop, je vais le mettre là. Demain, en fin de The Event, il y aura ça à vendre aux enchères. Et le but, c'est que tout le monde, ou en tout cas quasiment... tout le monde ait pu mettre sa fleur à l'édifice, et c'est le cas de le dire, c'est juste là le dessin. Et j'aurais rêvé que Alain Chabat rajoute aussi son petit grain de folie. Le truc, c'est que ça va me sembler un peu compliqué. J'ai pas trop envie, tu vois, de le déranger, j'ai pas trop envie de forcer. Peut-être qu'il osera pas. Va chez Trivia, il est là-bas pour lui demander. Non, ça se fait pas parce qu'en fait, Rayou il attend depuis tout à l'heure pour débrief avec lui. Ça se fait pas trop, tu vois. Rayou il a fait toute une émission avec lui, il a envie de débrief avec Alain. Il va pas, je vais pas dire ah, viens. Donc je vais attendre. Vous savez quoi? Il va falloir se bouger sur les personnes à faire dessiner, il y a du boulot. Ouais, de fou. C'est pour ça que je vais aller directement voir les streamers, si ça vous va, pour qu'ils continuent à dessiner. Pour que tout le monde puisse venir dessiner sa fleur, ok? Hop! T'es un fine boy raisonnable. Il est hors de question. Il est hors de question que je lui fasse vivre un enfer juste parce que je l'aime bien. Non, ça se ferait pas. Messieurs, dames, on se lance dans le dessin de tout ça, je vais mettre le micro général, ça peut vous casser un peu la tête, mais c'est parce qu'on va être avec plein de gens, ok? Allez, c'est parti, je vais chercher des gens, ok. Hop là, re à toutes et tous, voilà. Excuse-moi, ça prend un peu la place. Si jamais, avant de partir, t'as 5 minutes, une petite fleur, c'est avec plaisir, je vends ça aux enchères à la fin.
De l'Evert, voilà. Hop. Oui. Ok. Bon, j'ai glissé ça. Je vais pas non plus lui poser soucis. Alpha ? Ouais. Bah parfait, tu fais très bien, j'allais t'appeler, mec. Ah oui ? Ah mais Alpha, tu tombes à pic, mec, j'allais dire, est-ce que tu as le temps de me dessiner une petite fleur ? Je vais juste checker que tout le monde est prêt pour AOE. Ah oui. Et rapide, hein, petite fleur. Ouais. Après, je peux repasser après au pire ou c'est genre. Je peux repasser après. Je te sens jamais. Parce que là, ça fait genre 20 minutes que j'essaie d'organiser. Vas-y, ça. T'inquiète. A plus tard. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie de casser les couilles aux gens, mais pourtant, c'est ce qui va se passer. Papsan, tu viens là. Mais qu'est-ce qui se passe? Papsan, tu viens là. Qu'est-ce qui se passe, Papsan, ta chaise, moi. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Toi, t'es toujours accroché à ton téléphone, mais t'as quel âge? Eh, mince, il m'éteint. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, frère, viens là. Je suis là. Tu vois, est-ce que t'es chaud de me dessiner une fleur ici? Moi, je vais te dessiner un zizi, c'est chaud, quoi. Je vais me faire bannir. D'accord, ben, une fleur, alors. Une fleur? Mais non, mais je filme pour toi, par contre. Ah, ben, nickel. Ah, bah oui. T'es un fou, tu crois que j'allais te laisser dans la sauce ou quoi? Je vais dessiner une fleur. Tu sais que des lives, on va discuter un peu si ça t'intéresse pendant que tu dessines, mais tu sais que des lives IRL, moi j'en ai fait beaucoup à la base. Je sais, Lucien m'a dit. Ah ouais? Montpellier, mais j'ai fait aussi le Tour de France du jeu vidéo en. C'était en 2019 avec Rivendi. Ah ouais? Ouais. Ah non, c'est Rive qui m'a dit. Ah bah oui, c'est possible. C'est Rive qui m'a dit. Bah en gros, en 2019, on a fait pendant 3 semaines, tous les jours on partait en live IRL pendant genre, ça durait entre 6 et 10 heures par jour, tu vois. Où on allait rencontrer des gens du jeu vidéo et tout. Ah ouais? Et voilà. Et ouais, on a visité des gens, on faisait full ça. Attends. T'y arrives? Ouais, je suis bien, mec. T'inquiète. Non, c'est juste que je teste des trucs. Ah, tu testes? Ouais, j'étais. Non, t'inquiète, je suis bien. Alors. Donc, alors, okay, bah, on parle quand. Vas-y, tu veux, prends cette place. T'es droitier? Je suis gaucher, non. Ah, t'es bien là. Alors. Donc là, je suis bien. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Ultia? Tu sais ce que je viens de déguster des shots avec Alain Chabat? T'as dégusté des shots avec Alain Chabat? Et je lui ai dit chips. J'ai chips Alain Chabat. T'as chips Alain Chabat et tu l'as libéré ou pas? Non, tu l'as pas libéré. Ah, t'as chips Alain Chabat. Elle a chips Alain Chabat. Et c'est son anniversaire, tu dois souhaiter. J'étais le premier, monsieur. Ah bah, excuse-moi. Mini-pine, j'étais le premier. Excuse-moi, bon. Tu as des postcards juste là. Ok. Avec ces postcards, en fait, tu vois comment fonctionnent les postcards? Je sais même pas ce que c'est un postcard. Alors, un postcard, c'est genre un feutre que tu dois un peu faire pomper. Genre, appuyer un peu pour qu'il marche. Non, pas tourner, mais faire pomper. Regarde, tu vas ouvrir. Ah non, bah celui-là, il n'y a pas besoin. Ah, t'as juste à appuyer là. C'est ça, exactement. Okay, je vois. Une fleur. Ouais, une fleur. Qui a fait ça? Wow. Ça, c'est Ultia. C'est toujours la bonne élève, Ultia. Eh mais non, mais il n'y a pas de fleur bleue. Mais si, mais mec, tu choisis la couleur que tu veux. Hein. Ça va le micro? Forcément, vous entendez beaucoup de choses. Hein. Attends. Ça va, bon? Il faut que je regarde à quoi ça ressemble une feuille d'hibiscus. Mais mec, il y a des fleurs bleues. Ouais, je sais, mais je veux dessiner une fleur d'hibiscus. Tu sais, je suis d'origine sénégalaise, j'adore le jus de bissap. Ok. Et du coup, je veux dessiner ça. Ah vas-y, ça me va. Hein. Mais c'est dur de faire. C'est beau, il va nous dessiner un hibiscus. Frère, t'es à 20% de batterie, je te le dis. C'est vrai? D'accord, ouais. Bah, ça va faire. Je te préviens juste les 20% de batterie tranquille, ok? Merci. Tiens, je vais enlever le casque, comme ça on sera ensemble. Mais je suis trop nul, moi, tu sais, je suis pas dessiné. Mais c'est pas grave, le but c'est pas... Eh, mec, le but c'est pas que les gens dessinent s'ils savent dessiner, le but c'est que tout le monde dessine. Absolument tout le monde, mec. Ok? Ok. Là, alors, il est gaucher, donc vous verrez tout à l'heure, mais il est en train de vous faire une masterclass, j'ai encore rien vu. Trop bon le bissap. Ah tu vois, bissap trop bon, ça dit dans le chat. Trop bon le bissap. Bien sûr. Ok. Par contre, ta chemise, mec, on en parle ou... Tu l'aimes bien? Ah, elle est magnifique, mec. Ah, j'adore, moi, les chemises blanches avec des traits fins, bah, comme ça. Avec des fleurs, en fait. Bah oui, déjà, là, il y a des fleurs, bien sûr. Mais moi, j'ai la même avec des oiseaux. Elle est magnifique. Ah, elle doit être superbe. Elle est magnifique. Mais moi, j'aime bien ce genre de visuel. Ouais, bah pareil. Avec des traits fins comme ça, c'est magnifique. C'est ça. Comment ça tu sais pas dessiner? Comment ça tu sais pas dessiner? Mais c'est grave, pas une... Attends. Faut que je continue. Trop agréable. Hey, c'est trop agréable de filmer avec ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Toi, tu connaissais Alain Chabat? Bah de la télé, non, des films. Ouais, mais genre de quoi, par exemple? T'es pas obligé, frère. Je sais même pas. Je sais que c'est dans les films.
Mais je sais plus c'est dans quoi. En fait, à la base, il avait fait. Enfin, à la base, il a fait plein de trucs, mais il y avait Les Nuls. T'as connu Les Nuls ou pas? Non. Les Nuls, c'était un groupe d'humoristes. On veut voir. Ouais, mais là, vous verrez. Bah, je peux pas vous montrer. Il y a... En fait, Pape, il dessine du côté avec la main gauche. Donc là, vous pouvez pas voir. Attendez, je peux. Non, je peux pas. Je connais pas Les Nuls. Mais je connais de nom, mais j'ai jamais regardé en fait. Ok. Et genre, t'as regardé La Cité de la Peur? Non. Et t'as regardé Mission Cléopâtre? Oui. Ah, voilà. Ok, bah déjà t'as un truc. Ouais. Ah donc il était dans ça. Dans Mission Cléopâtre? Ouais. Ah oui, il était plutôt bien dedans, ouais, effectivement. Eh hey, mais ça commence à ressembler à un truc. Vas-y, regardez. Ouais, y'a un truc. Y'a un... Regarde, bah on sait pas trop quoi, mais... C'est très réaliste. T'as vu C'est quoi ça? Un film où c'est des hommes à l'époque préhistorique, t'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu, hein. T'as vu DJ? C'est quoi DJ? Le chien. T'as pas en vu? Fait, je regarde pas trop de films. Ah ouais? Tu regardes quoi comme film? Des films américains ou coréens. Et genre, tu regardes en anglais? Ouais. Et le coréen, tu le gères? Ouais, ça va, mais film, c'est chaud quand même. Ouais, film, c'est chaud, ouais. Ouais, film, c'est chaud. Hein. Ok. Film, je mets des sous-titres et tout. DJ le chien. Non, mais DJ qui fait du son. Non, moi je connais pas trop hein, les films. Pourquoi les gens ils disent pour le boomer c'est des films de boomer ou pas en vrai? Parce que là j'ai deux chats, j'ai mon chat que vous voyez ici là, ouais, qui me traite de boomer là. Ah ce chat là? Non, là c'est mon chat qui me traite de boomer. Tu à vois de boomer. Non mais non, ça va, attends, c'est ouf mon chat me traite. Ah non ça va, vous me rassurez. Ok, ton chat aussi me traite pas de boomer, ça va. Je suis rassuré, et non plus ici. Non, vous me rassurez. Attends, boomer faut pas déconner. Ouais, c'est un classique hein. Tu connais pas? Il va faire tout noir. Ta gueule. Tu connais pas? Mais j'adore ta gueule, frère. Tu me régales. Mais je te jure, je connais pas. Mais je te crois. En fait, moi, je regarde pas trop de films français, comme je t'avais dit. Bah ouais. Tu fais quoi, toi, à part filmer les gens et tout? C'est quoi, toi? Genre, t'es seul chez toi, tu fais quoi? Ah, mes activités de ma vie? Ouais. J'édite des photos. Je regarde des animés. Ok. Eh hey, mais je suis plus trop souvent chez moi. Hein. Ah ouais, tu bouges. Hein. Ouais, en vrai. Hein. Mais sinon, c'est ce que je fais, j'édite des photos. Et tu regardes des animés. C'est quoi, ouais. genre ton animé préféré? Naruto All Time. Ah ouais? Simple. T'es team Naruto? Ah, large. Ok. Et ouais. Genre One Piece à côté, t'en penses quoi? C'est le deuxième meilleur. Ah mais t'aimes bien quand même? J'adore One Piece. Ok. Mais Naruto All Time. Ok. Et t'as lu Boruto? Je lis, ouais. T'aimes bien? J'aime bien, franchement. C'est cool. C'est pas Naruto, bien évidemment. Non, bien sûr. Mais t'as pas un peu l'impression de revivre la même chose, juste ils sont plus jeunes et voilà? Ah, non, parce que les enjeux sont différents. Ok. Ouais, les enjeux sont différents. Ok. Et puis les personnages sont très différents également. Mais genre, t'en penses quoi si je te dis, genre... imagine, je te dis juste comme ça, Death Note. C'est une dinguerie. C'est excellent. Ah ouais, t'aimes beaucoup Death Note? Ah, j'aime bien. Okay. J'adore. Mais si on doit parler d'animé avec des scénarios un peu alambiqués... SNK bien sûr. SNK. Ouais, SNK, Code Geass même. Ok. Pour moi Code Geass, en vrai de vrai, je pense que c'est même mieux que Death Note. Parce que Code Geass, c'est excellent jusqu'à la fin. Alors que Death Note, il y a eu un petit coup de mou quoi. Moi je vais dire Death Note, 12 épisodes et après flemme. Je vois ce que tu veux dire. Vraiment, mais vraiment. Affaire de L et voilà, fin. Ouais, exactement. Bah oui. Exactement. Alors que Code Geass. Du début à la toute fin, c'est excellent. Ok, d'accord. Et il y a vraiment un début, une fin? Il y a vraiment un début. Je ne connais pas, Ah, il y a une vraie fin dans Code Geass. Ok, d'accord, ouais. Et la fin est exceptionnelle. Okay, donc, d'accord. Si jamais, n'hésite pas. Ok, vas-y, Code Geass. Ça conseille Code Geass aussi dans les chats ou pas? Parce que Code Geass, tu vois, j'en ai pas mal entendu parler et tout, mais il y a combien d'épisodes en tout? 48, je crois. 48? Ça se fait. Ah ouais, ça. Par contre, oui, vraiment, par contre, tout le monde a l'air d'accord avec toi, frère. Ah, Code Geass, Masterclass. Ah oui, vraiment. Ça commence à ressembler à un mais, truc hein. Mais d'où tu dis que tu sais pas dessiner? Mais c'est la première fois de ma vie que je fais un truc pareil. C'est magnifique mec. C'est magnifique. Regardez où il en est. Je sais pas si on voit bien parce que c'est clair, je zoomerai tout à l'heure. Mais en vrai, bah il dessine en fait. Il dessine pour de vrai hein. Trop belle. Ouais, vous allez voir. Hop. Et tu comptes rester longtemps en Corée tu penses? Ouais. Ah ouais? Encore un petit moment. Tu t'y sens bien? En fait, t'as tout dit. Tant que je m'y sentirais bien,
j'y resterai. Et genre en Corée, t'as réussi à lier des amitiés fortes avec des gens qui habitent là-bas, des Coréens ou pas? Parce que souvent, tu sais, moi j'ai habité 4 ans, enfin un peu moins, mais 3 ans et demi à Berlin, en Allemagne, qui est juste à côté de la France. J'y étais quelques jours. Je sais, tu m'as dit, ouais. Mais tu vois, genre Berlin, tu dis, ouais, c'est. Ouais, voilà, c'est presque comme la France, c'est l'Europe, etc. Mais en vrai, tu sais que quand tu rencontres des gens, bah, créer des relations sur le long terme, c'est ultra dur. Mais genre, vraiment, c'est ultra dur. Et toi, t'as pas trop de mal avec les Coréens ou les Coréens, je sais pas. En fait, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise. Et du coup, ça m'a mis en contact avec des Coréens et ça crée des liens en fait. Okay, d'accord. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas l'entreprise, ça aurait peut-être pu être un peu plus compliqué de créer des vrais liens à part copines ou amis de copines ou oui, tout comme ça quoi. Ouais. Là, c'est chaud. Hein. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est pas l'âge qui fait ça? Est-ce que aujourd'hui. Je dis pas ça, frère. Pourquoi tu dis ça à moi? Non, mais je veux dire, regarde, même en France. Ouais. C'est difficile maintenant de se faire des potes. Non mais si, c'est réel. C'est-à-dire qu'évidemment, tu vois, genre t'as ton diplôme, tu bouges à Dijon, tu y es jamais allé de ta vie. Voilà. C'est trop dur. C'est pas évident. Non mais oui, c'est sûr. C'est pas évident en fait. C'est l'âge qui joue beaucoup aussi. L'âge, c'est sûr que ça joue. Tu vois, contrairement au lycée par exemple où t'es avec des gens H24. C'est trop facile. Du début de faire à la potes, fin. Oui, ouais. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est trop facile. Pas pour tout le monde en vrai. Ah oui, t'as raison. Mais c'est plus facile. C'est plus simple. C'est sûr que c'est plus facile. En fait, même au-delà de l'âge, je dirais que c'est la situation. De la vie quoi. Ouais. Si on taf, ça devient un peu dur de se faire des potes. Ouais, non mais je suis d'accord de fou. Tout le monde a déjà ses potes et ils ont la flemme. Ouais. Sans en faire d'autres. Et c'est pour ça en fait, quand toi, les expats sont potes entre expats parce qu'on vit la même chose. Exactement, mais c'est exactement ça. Quand t'es expat dans un pays, en fait t'es potes avec les expats quoi. En fait c'est exactement ça. Parce que tu vis la même galère, non mais ça se tient. Hein. Moi les potes, tu vois, il y en a, ils disent moi les potes c'est difficile depuis tout petit. Et évidemment, il y en a, enfin, ça dépend des gens, tu vois, il y a des gens plus ou moins sociaux, mais en soi. C'est vrai que c'est quand même plus facile, collège, lycée, etc., de rencontrer du monde que après c'est chaud. Hein. Après, c'est trop dur. Hein. Quand t'as ton premier job et tout, c'est vraiment très chaud. Hein. Tu vas boire un shot, là? Ouais. Non, moi, c'est juste une petite fleur. Moi, c'est une petite fleur. Voilà, je pense. T'as fini? Oui. Papsan, je le montre ici. Elle est très belle. Elle est pas dégueu. Elle est très belle. T'es un fou, elle est trop belle. Merci frérot. Bah avec plaisir, merci pour. Merci non mais premier degré, elle est très jolie. C'est vrai? Ouais de fou. Oh, je vais vous la montrer mal, après. Ils disent pas mal. Mais oui, elle est bien. Je vais la montrer après ici, mais elle est parfaite. Merci pap. Bah merci à toi. J'ai pris beaucoup d'espace en vrai. Non mais t'inquiète. Elle est superbe. Moi ça me dérange pas même si y a les trucs qui partent et tout dans tous les sens, ça me va, tu vois. Merci mec. Merci à toi. T'es vraiment trop sympa. Mais c'est toi. T'es le goat. T'es le goat, tu crois? Ouais. Bah nous on s'est rencontrés à Dame et depuis en vrai à chaque fois qu'on se voit c'est cool hein. Ouais exactement. Bah je te kiffe aussi mec. Merci beaucoup. Attends. Mais un jour je vais t'allumer à Mario Kart ça par contre. Boo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 o